Un des témoins interrogé par Le Parisien a réitéré son affirmation selon laquelle il a bel et bien vu Émile. Je sais exactement ce que j'ai vu. Il a affirmé avoir aperçu l'enfant dans une rue en pente du hameau, menant vers le centre du village où se situe la maison des grands-parents. Auparavant, deux voisins, un adolescent et un homme âgé d'environ 60 ans, avaient également affirmé avoir vu l'enfant dans une ruelle à Auvernay. L'homme avait déclaré ne pas s'être inquiété, car il est courant de voir des enfants jouer seuls dans les ruelles peu fréquentées de ce petit village de montagne. Afin de retrouver la trace de l'enfant, d'importants moyens ont été déployés, comprenant des battues massives et l'utilisation de chiens renifleurs et de drones. Les enquêteurs ont également reçu 1 400 signalements téléphoniques sur la ligne dédiée à cet effet, suite à un appel à témoins. Pour l'instant, aucune piste n'a été identifiée et aucune hypothèse n'est privilégiée officiellement.